À 37 ans, Denise Gamzé-Erguven est sans doute la découverte cinéma de ces derniers mois. Son premier film, Mustang, est nommé 9 fois au César. Et surtout, c'est le film qui a été choisi pour représenter la France aux Oscars. On a commencé au Ras de la Moquette. C'est un tout petit film qui a failli ne pas se faire. Il y a une productrice qui a lâché le projet à 3 semaines du premier jour de tournage. On a été très bas et très haut et la route est belle. Denise Gamzé-Erguven a beaucoup voyagé avant de faire ses études de cinéma en France. Mais elle est née en Turquie. C'est dans son pays de naissance qu'elle a trouvé le point de départ de son scénario. Le récit de 5 jeunes sœurs qui, pour avoir batifolé dans l'eau avec des garçons, vont être enfermées dans une maison en attendant d'être chacune mariée de force. Denise Gamzé-Erguven filme d'un côté l'énergie et la liberté de la jeunesse face au poids des traditions, de la morale et de la religion. Le film résonne dans des cultures qui n'ont aucune intersection historique, géographique, avec les côtes de la mer Noire. Ce qui est le plus beau, c'est de vraiment éprouver la force universelle du cinéma. Après avoir été remarqué à Cannes, Mustang est donc en compétition pour l'Oscar du meilleur film étranger. J'ai vraiment l'impression qu'on nous a donné une confiance très forte et du coup j'ai envie d'être à la hauteur de ça. Après avoir remporté une dizaine de trophées dans différents festivals en Europe, Mustang raflera-t-il tous les prix au César et deviendra-t-il le meilleur film étranger aux Oscars ? Réponse le week-end prochain.